Hey Olivier, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on va se faire une vidéo extrêmement peu originale. Voilà, parce que c'est un produit, en l'occurrence, le deux boîtes, le pouvoir du duel que tout le monde a déjà ouvert. Voilà, là-bas, on a ouvert une boîte énorme avec énormément de cartes à l'intérieur. Yubel, Obscu, tout le monde en a déjà ouvert. Moi, j'en avais pas encore ouvert, mais aujourd'hui, je vais en ouvrir parce que c'est assez cool. Je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux. C'est des boîtes que je n'ai pas payées, que j'ai obtenues en grande partie grâce à vous, grâce à MyMeries. Voilà, je vous en ai parlé un petit peu il y a quelques temps dans la vidéo sur les Funko Pop, je vous mets le lien un des deux côtés. C'est tout simplement un moyen de récupérer de l'argent sur ce qu'on achète et vous avez été nombreux à vous parrainer avec mon lien et du coup j'ai pu m'offrir ces cadeaux-là grâce à vous. Je vous reparle de tout ça à la fin de la vidéo, soyez là, voilà. Moi je vous dis rien de plus et puis nous on passe sans plus attendre sur la deuxième caméra. Donc ces petites boîtes elles sont là, c'est une boîte qui est assez sympa parce qu'il y a des nouveaux artworks pour les cartes. On va dire les meilleures cartes entre guillemets de Yu-Gi-Oh! Enfin les cartes les plus emblématiques. On retrouve le Magicien des Ténèbres, le Décode Talker qui est juste ici. Enfin voilà, le Poussière d'Étoiles, le Neos. C'est vraiment des cartes emblématiques pour moi. Et du coup à l'intérieur il y a également beaucoup beaucoup de rééditions ultra cool, notamment pour le format méta. Et puis voilà, vous savez quoi, on va quand même, je suis assez impatient d'aller ouvrir ça. En fait je vous avoue qu'il y a une carte que j'aimerais drop. Alors évidemment j'en demande beaucoup parce que c'est une carte qui cote assez cher. Elle doit être autour des 25-30 euros au moment où je tourne la vidéo. C'est tout simplement une infinité éphémère. J'en ai deux, voilà, et j'aimerais bien avoir un playset pour être cool et puis pour être tranquille, pour pouvoir faire du format boutique, du format tournoi assez sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les deux boîtes. Tac, là. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Normalement il y a un joli playmat en carton. Voilà, playmat qu'on va se mettre sans plus attendre. On a les cartes promo. Hop, je suis à l'envers évidemment. Le téléphone qui prend un coup, avec le playmat. Mais ça c'est très très cool. Voilà, on se met le petit fond. Donc à l'intérieur de chaque boîte on retrouve nos cartes promo. Voilà. Et on retrouve 6 boosters. Donc ça nous fait 12 boosters à ouvrir ensemble aujourd'hui. Ça c'est plutôt cool. Hop. Et ils ont tous l'artwork du Magicien des Ténèbres. Tac, on va se mettre les boosters là. On va s'ouvrir la deuxième boîte. Donc voilà, j'aimerais beaucoup beaucoup drop Infinité Éphémère. Après les Hand Trap, ouais, pourquoi pas les Hand Trap, ça serait plutôt cool, bah, pour leur valeur tout simplement. Et puis parce que j'ai pas des playsets de tout, même si je me sers pas des playsets de tout aujourd'hui. Mais voilà, bon, alors on a nos 12 boosters qui sont juste ici. On a nos cartes promo qui sont juste là, on va s'en ouvrir un paquet. Hop. Alors moi j'en ai déjà un paquet scellé, même si j'en ai pas ouvert, tout simplement parce qu'un abonné m'a... En fait, il voulait une carte que j'ai eu dans un booster, dans une vidéo, et moi j'avais rien. Enfin, il avait rien qui m'intéressait à part un pack scellé. Je dis bah file le pack scellé, c'est cool. L'artwork du magicien est assez cool. Il y a combien d'artworks? Je pense qu'il y en a une petite dizaine aujourd'hui. J'en ai quand même pas mal. Le nouveau Neos qui est magnifique. Alors c'est Neos Héros des éléments, mais c'est le nouvel artwork. Le poussière d'étoile. Alors moi le poussière d'étoile, dites-moi ce que vous en pensez, mais je préfère quand même l'ancien artwork. Le 39 Utopie. Le dragon pendule aux yeux impairs et le décodeur bavard. Voilà, ça c'est plutôt cool, les cartes promo. Le deuxième, on va pas l'ouvrir, ça sert à rien pour l'instant. On en reparle encore une fois à la fin de la vidéo. Et puis on va commencer par ces petits boosters. Allez, c'est parti. Alors, fusion miraculeuse, âme éternelle, cercle magicien sombre, dont Clifford et... Eh ben c'est très très bien ça. C'est très très bien pour le premier booster. Voilà, voilà, ça c'est plutôt cool. Beauté fantôme et manoir hanté. Voilà, c'est un trap qui est extrêmement fort et qui est assez prisé. Et je l'avais pas du tout, du tout, du tout. Donc c'est plutôt cool. Hop, deuxième booster. Ça donne envie quand même, hein. Ça donne envie d'ouvrir des boosters, hein. Alors, une carte Far Star, Sceau de la Rose, Gardien Argent, Gadget Argent, pardon, Kaleidoscope Nécrose et Spectre Séraphin Étoile. Séraphin Étoile. On va les empiler. Ben super, ben très très bien. Voilà, deuxième entrap de cette ouverture, j'en suis assez content. Cercle du Magicien Sombre, Dawn Clifford, Sceau de la Rose et Gadget Argent. Voilà, bon, c'est plutôt cool. C'est plutôt très très cool, même on est à 3 boosters, déjà 2 hand trap dont une carte que je recherchais absolument. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, mine de rien, je vous le cache pas. Kaleidoscope Nécrose, Spectre Séraphin Étoile, Enchanteur Cybers, qui tout double, et à force égale, mais alors je sais pas si c'est de la luck,
mais j'ai ouvert 4 boosters, dont 3 cartes qui m'intéressaient. Voilà, c'est quand même plutôt cool pour l'instant. Je suis refait, hein, voilà, on est à 4 boosters, on a ouvert une boîte, et au niveau valeur de cartes, on est quand même pas mal. Je ferai un récap à la fin avec les prix qui s'affichent. Gadget argent, tactique du changement Xyz, kit au double, fusion miraculeuse et nécrose de Trishula. Voilà, c'est une carte qui est extrêmement stylée quand même. Les nécroses en règle générale sont extrêmement stylées. Alors, carte d'exécution, qui est une carte assez sympa. Âme éternelle, qui est une carte sympa également. Cercle du magicien sombre, donc Lifor, qu'on commence à avoir plein de fois. Et Saut de la Rose. Du jasmin, plutôt cool. Orchidée, araignée, prédaplante. Je savais pas qu'ils avaient des pendules, les prédaplantes. Gadget or, qui est plutôt cool. Gookie, le grand ogre, et derrière Lion Naturia, qui est une carte assez intéressante également. Là, on est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5. On a ouvert un petit peu plus d'une boîte là. Alors, Gookie, le grand ogre, qu'on vient voir à l'instant. Lion Naturia, c'est dingue parce que des fois, Oh, plutôt stylé. J'ai l'impression que les cartes sont à la suite comme si c'était un tirage en boucle. Dragon du Chaos Max aux yeux bleus, avanceur photon et. Et petite floraison de cendre. Mais oui, ça c'est plutôt cool. Mais oui. Ah putain, je suis refait. Et dis donc, je suis. Alors j'ai regardé pas mal d'ouvertures, j'ai vu qu'il y avait de grosses cartes qui tombaient. Mais je pensais pas moi en faire tomber autant, ça c'est plutôt cool. Crowley. Ben nouveau dragon max. Et alors du coup, si les cartes sont à la suite, derrière on a un nouveau une floraison de cendre. Et ben, bon, voilà, on peut pas tout espérer. Grande prêtresse de la prophétie et dragon supérieur aux yeux impairs. Allez, plus que 3 boosters. Dragon, magicien du chaos. Il est tellement classe. Âme éternelle, double coup de magie noire, nécrose de Cléomph Soleil, je pense que ça se prononce comme ça, et miroir nécrose. Et ben on aurait eu deux cartes nécrose dans le même booster. Bon, on n'aura pas eu d'infinité éphémère pour l'instant, c'est un peu deg, mais bon, tant pis. Alors, Dragon Charge Borel, mais c'est plutôt une bonne nouvelle également, voilà, ça c'est plutôt cool. Pioche scintillante, Cercle du Magicien Sombre, Forme du Chaos, et le Gadget Or à nouveau. Dernier booster, on espère vraiment avoir une infinité éphémère à l'intérieur, comme ça j'aurai mon playset, ça m'arrangerait beaucoup. Mais en même temps, vu ce qu'on a eu, je vais pas me plaindre, voilà, c'est quand même plutôt cool. Sorcière Digital Farstar, Enchanteur Cyber, Kit au double, Orchidée Prédaplante, on l'a vu tout à l'heure, et le Gadget Or. Eh bien écoutez, c'est quand même pas trop mal, je suis assez content de ces boîtes-là, alors je me rends pas compte de la cote de ce qui est tombé, mais grosso modo, moi, de ce que je suis content d'avoir fait tomber, ben, le Charge Borel, c'est plutôt cool déjà. Bon, ça c'est pour le fun, mais c'est vrai que l'artwork est quand même magnifique. Les âmes éternelles sont assez sympas, les nécroses, c'est cool, les Chaos Max, ça me fait plaisir également. Chaos Max, on a fait tomber deux fois, les Naturia, c'est stylé aussi, mon H, ça fait toujours plaisir, même si j'en ai déjà un playset. Bon, ça c'est toujours cool. Âme éternelle, on l'a dit tout à l'heure. Le gadget or aussi, c'est plus argent et or, c'est plutôt cool. Je les ai passés. Le nécrose, c'est toujours super sympa. Tac. À force égale, oui, évidemment. Ogre, fantôme, lapin et neige. Mais je dis n'importe quoi. Ogre, fantôme et lapin des neiges. Mais n'importe quoi, quoi. Ça c'est toujours super cool. Et on a eu quoi juste avant, il me semble. Voilà, beauté fantôme et manoir hanté. Ça, c'est plutôt cool. Déjà, parce que la carte est ultra belle. Et surtout parce qu'elle a son... Et puis, on a eu combien d'âmes éternelles, du coup? Je crois qu'on a eu un playset d'âmes éternelles, en fait. Il me semble. Une. Deux. Et on a un playset. Alors, c'est pas la carte la plus worse du monde, mais c'est cool de choper un playset, quand même... Dans un paquet de cartes, c'est toujours stylé. Voilà, on a le petit playset, on a le Charge Borel qui est plutôt cool. Voilà, bon, il y a énormément de trucs très sympas dans cette ouverture. J'en suis très content pour ma part. Je vous ai dit de rester à la fin de la vidéo tout simplement parce que, comme j'ai pu faire cette vidéo grâce à vous, je tenais à vous remercier. C'est pour ça que je n'ai pas ouvert. Tac.
ce paquet scellé, parce que je vous le fais gagner, et je vous le fais gagner avec 50 sleeves de l'anniversaire Konami, voilà, qui sont ultra classe, qui sont super stylés pour participer, et c'est pour ça aussi que je mettrai pas de hashtag concours sur cette vidéo, je mettrai pas de concours dans le titre, c'est vraiment pour ceux qui verront la vidéo, qui participeront, ça c'est pas pour aguicher les autres, etc. C'est vraiment pour vous remercier, vous, voilà, pour participer, c'est simple, on aime, on laisse un commentaire, on s'abonne, c'est tout, je vous demande pas grand chose de plus. Ce sera un concours qui sera très rapide pour récompenser encore une fois ceux qui viendront sur la chaîne et qui regarderont la vidéo dans les premiers entre guillemets, voilà, je pense une petite semaine où on sortira la vidéo, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, moi je suis content de ce que j'ai sorti, si c'est le cas, si vous avez apprécié ce contenu, etc., n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire, d'une part ça valide votre participation et d'autre part moi ça m'encourage pour la suite des vidéos, et puis les petits potes, sur ce, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collection de cartes, et surtout à bientôt, allez ciao.